Kalinga. Et ce soir, on gagnera. Et pour vous, on chantera. Il est temps.
de cette finale de la 106e édition de la Coupe de France. Nantes vient défendre son titre, vient défendre son bien. Droit très généreux. Vanden Bomen pour frapper ce premier corner. Et le coup de tête et le but et l'ouverture du score. Très tôt dans ce match, Logan Costa préféré à Anthony Rouault. Le jeune capverdien Daniel qui permet à Toulouse de prendre les devants. Très très tôt dans ce match, Toulouse a mieux entamé la. Toulouse mène au score. Ah oui, c'est sûr, quelle entente de match des Toulousains qui sont rentrés de manière très agressive dans ce match. Et regardez sur ce coup de pied arrêté, très bien tiré encore une fois par Vanden Bomen. Logan Costa qui gagne son duel à un contre un, qui monte plus haut que son adversaire et qui claque cette tête au fond. Ah, le TFC commence très très fort cette finale. Et Vanden Bomen qui a attrapé tout de suite De Jagereux pour lui dire il va pas falloir lâcher, il faut pas reculer derrière ça. Et il faut essayer peut-être d'enfoncer un petit peu le clou dans la foulée. Ça va plonger vers le but d'Alban Lafont. On va voir s'il lève un bras ou deux bras. En général, c'est un signe. Deux bras, c'est ici. Un seul bras, c'est plongeant. Attention, deuxième poteau, ça revient. Le coup de tête, le doublé. Le doublé pour Logan Costa. Ce coup franc-là ressemblait à un corner. Ils ont ouvert le score sur un premier corner, le premier corner du match. Et de ce côté-là, ça a plongé vers le but d'Alban Lafont. La défense prise à défaut. Et Logan Costa réussit à doubler son premier pour lui dans sa jeune carrière. Ben encore une fois, c'est superbement tiré. Et ce coup franc dévié au premier poteau par un Nantais trompe toute sa défense. Très bonne remise. Et Costa qui est tout seul, qui est parfaitement placé pour encore une fois rentrer, traverser ce ballon. Ça, Sissoko, il est à hauteur de mollet, il est beaucoup plus haut. Oh, c'est un bon ballon, ça. Oh, bon. C'est un super ballon pour Dalinga. Incroyable. Et le troisième but de ce match, il est toulousain, c'est 3-0. Démonstration toulousaine. Quelle passe, quelle sortie de balle. Quelle finition! Dalinga pour le 3-0. Ah, et quelle variété dans le jeu, parce qu'ils ont été capables de marquer des buts différents. Là, c'est sur un contre, sur une passe, une ouverture dans la profondeur millimétrée. Quelle passe magnifique de l'intérieur du gauche qui contourne le défenseur. Et ensuite, la classe de Dalinga qui ne s'affole pas, passe au-dessous Oiseau, le Chilien, qui contourne Castelletto et ensuite voilà le piqué, le petit ballon lobé parfait de Dalinga avec beaucoup de sang-froid qui passe par-dessus Lafont. Ça compte de fait que sont en train de vivre les supporters toulousains. C'est un cauchemar. Ah ouais. Que sont en train de vivre les supporters canaris. Et ouais, les joueurs nantais, parce que en essayant de revenir dans ce match, en essayant de marquer, ils se font contrer de belle façon, de belle manière de la part des Toulousains qui décidément sont irrésistibles. Être titulaire à la place d'Anthony Rouault, il faut avoir des sacrées qualités. Hein. Il n'a pas joué beaucoup, il a joué que 3 matchs en championnat. Et normalement là, c'est Anthony Rouault qui. Deuxième toute compétition profonde. C'est Rouault qui joue et. Ah, super percé. Bon ballon pour Shaibi. La frappe de Shaibi à la conclusion d'Alinga. Doublé de Logan Costa, doublé de Galinga. Le Néerlandais inscrit son deuxième but personnel aussi. Nantes sombre. Voilà, ça devient compliqué pour les Nantais. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un naufrage désormais. La joie qui laisse place à la colère aussi hein, dans le public avec des jets de fumigène qui arrivent sur Lafont. Attention. Ouais, on va voir Lafont qui va repousser ce ballon un peu mollement sur la frappe.
Voilà, c'est un bon décalage sur la gauche. Et regardez là sur cette frappe, la prise de balle, elle est plus que moyenne parce qu'on a l'impression qu'il peut la bloquer. Et en fait, il la repousse sur le côté, sur son adversaire. Ouais, c'est la trajectoire qui est délicate. Ah, ouais, il est presque prêt à prendre le pied. Ouais. Elle est sur lui, elle n'est pas très forte cette frappe. Il devait faire beaucoup mieux, Alban Lafont. André Giraudot avec à ses côtés Sissoko. Tommy Blas. Ganago. Il est passé. Ouais, il est passé face à Dessler. Il a ralenti sa course finalement, mais il a toujours la maîtrise du ballon. Parvient à centrer sur la tête d'Andy Delors. Et c'est au-dessus de la transversale. Il était hors jeu, mais en tout cas, c'est intéressant ce qu'a fait Ganago. De rendre fou un peu Dessler par ses crochets, très compact. Spirings reste accroupi dans le rond central. Il a pris un bras de Ludovic Blas. Il y a pénalty là, sur cette accélération là-bas. Pénalty accordé par Benoît Millot. Il va y avoir confirmation ou pas. Il y a l'arbitrage vidéo. Oui. 111 là est accroché. Il avait pris le dessus, Nicolas Essen. Nicolas Essen qui fait faute. Hein. Et il y a pénalty incontestable pour Nantes. Chétil Haug, un Danois, pardon, Nicolas Essen qui a fait faute. Blas, oui. Remarquablement frappé, ça fait 4-1. Il change tout ce but, c'est sûr. Et ça récompense quand même des Nantais qui ont montré un tout autre visage dans cette seconde période. Et qui mérite quand même. Moi je le verrais bien frapper côté gardien. Ah ouais. Ouais, fort côté gardien. Ou alors. Ou alors à Bouclal. Hein. Ouais, à Bouclal du gauche. Hein. Bowman, c'était Arater, c'est récupéré dans la surface, à Bouclal, la frappe. Elle est allée sous la barre transversale. Quelle frappe à Bouclal pour le 5-1. Toulouse va très certainement ramener la coupe à la maison sur la place du Capitole. Ah ouais, là. Nantes avait peut-être repris un semblant d'espoir grâce au pénalty du Ludovic Blas. C'est très vite anéanti par cette frappasse de Zakaria Abou Klal, le Marocain. C'est son quatrième but en 5 matchs à Abou Klal. On l'avait annoncé, il est en grande forme. Et regardez, cette frappe, elle est un peu demi-volée parce qu'elle rebondit. Il frappe coup de pied très fort, elle est légèrement déviée par un Nantais. Ce qui, évidemment, frappe encore plus Alban Lafont. Et on peut dire que c'est l'homme en forme du TEF. Nantes va devoir galérer jusqu'au bout. Nantes va devoir assurer son maintien. Ça passe dès mercredi par un déplacement périlleux à Brest. Benoît Millot va siffler la fin du match dans quelques instants, suite à la rentrée de touche probablement. Vamos ! Et Toulouse gagne la 106e Coupe de France sur le score de 5-1 face à Nantes. Il y avait 4-0 à la pause. Doublé de Logan Costa, doublé de Dalinga et but d'Abou Klal. Ludovic Blas avait inscrit le but du 4-1 sur pénalty pour Nantes. Nantes s'est effondré dans cette finale. Les supporters nantais sont effondrés au terme de cette finale. La joie est toulousaine. Ce n'est pas une joie, c'est une euphorie merveilleuse qui va gagner tout le sud-ouest, toute l'Occitanie.